Et donc, Poutine, donc, dans une journée qu'il a fait avec M. Hollande et Angela Merkel, louange à Dieu, ne sont pas en mesure de guerre, dans un état de guerre. Donc, les États-Unis veulent nous faire accéder à une pensée. Donc, non, on veut pas cela, on veut simplement donc collaborer, pas faire entrer en guerre. Et donc, il dit donc si tout, donc, si on se dirige vers Dieu, donc toutes les troubles disparaîtront. Et si donc on s'efforce, on dit encore une fois, Poutine, donc le jour d'avant, donc avec, il a parlé de manière magnifique. C'est comme vous savez que j'ai dit que Poutine est un brave. Il a rencontré donc Hollande et Merkel. Il y a une réunion. Louange à Dieu, nous ne sommes pas en état de guerre, donc. Et donc, les États-Unis ne veulent faire accepter un monde qu'ils sont le seul leader. On n'acceptera pas cela, mais nous, on ne veut lutter contre personne. On veut seulement de la collaboration. Et la Russe, tous ceux qui croient en un seul Dieu, donc des différents ordres religieux, disent que si on se dirige vers Dieu, tous les problèmes disparaîtront. Dieu aide ceux qui l'aident et nous faisons des efforts. Et si nous faisons des efforts tous ensemble avec notre peuple, c'est une référence, c'est une prise d'un verset du Coran, donc c'est une personne magnifique. Il a également des défauts, mais l'amitié avec Poutine, c'est très important. Et son intellect, sa conscience, semble être jolie. Et c'est une personne très utile pour la fin des temps.